vous nous posez toujours plein de questions sur la provenance de la viande. Et là, on va aller chercher directement des réponses à la source. Du coup, on a vraiment hâte de rencontrer Stéphane. Mais on s'y remet. Allez, c'est parti. Salut Stéphane. Tu vas bien? Pareil que Ino, il est du coin, Bernard Ino, il est du coin. Oui, tout à fait, il habite à 15 km d'ici. On l'a pas vu, on l'a pas croisé. On l'a pas vu, ouais. On te suit. Eh bien, c'est parti. Allez. Donc ça, c'est vous qui gérez aussi tout ce qui est maïs, c'est vous qui le produisez? C'est nous qui le produisons. Okay. C'est quoi l'alimentation des cochons? Maïs, blé, orge, de la graine de lin pour les oméga 3. Et ici, la particularité, c'est du petit lait. Et le petit lait, en fait, ça sert à quoi? Je suis curieux, là. C'est pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner des cochons. C'est plein de minéraux, okay. C'est excellent pour le cochon, il en raffole. Il n'y a pas d'OGM ou de choses. Alimentation non OGM, sans huile de palme. On nous pose souvent la question de savoir d'où viennent les cochons. On s'est associé à quelques éleveurs, on s'est regroupé dans un élevage qui se trouve à 2 km là, okay. Pour toute la partie naissance. Et donc ici, je reçois des cochons toutes les 6 semaines. Vous avez installé à 2 km une maternité pour les cochons, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, on va aller... Tu vas commencer par quoi? Par les bébés ou par les petits? Voilà, par les petits. Donc là, ça va faire du bruit. Oh là 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 là! Parce que là, ils sont quoi? Ils sont inquiets ou alors ils sont habitués à voir toujours la même personne? Ouais. Mais on les dérange quand même. Si on regarde par la fenêtre, ils bougent pas. Quand les cochons, ils arrivent, même s'ils sont qu'à 2 km, ils sont transportés dans un camion et ça leur fait un stress pour le minimiser. J'utilise des huiles essentielles. Okay. On leur fait des petits massages ou c'est juste... La motivation, c'est faire évoluer notre label rouge et sortir des circuits traditionnels tout en essayant de faire un produit de meilleure qualité. Il y a un partenariat qui a été noué. Qu'est-ce que ça représente, ce partenariat avec la marque Cochon? Pour nous, on le voit comme une possibilité de développer notre filière avec une marque de prestige. On a de la fierté de faire un produit qui corresponde à ce que l'on souhaite. On est venu avec du saucisson. Peut-être qu'on peut casser une graine. À toi l'honneur. Toi, t'es plutôt tranche fine ou tranche épaisse, du coup? Ça, c'est grand débat, hein. Attention. Tranche épaisse. Ah ouais, c'est vrai? Tranche épaisse. Ah oui, là, c'est des... On les mange rondins de bois en Bretagne. Eh ben, Stéphane, un grand merci. On a de rien, ça fait un plaisir. C'est chouette d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on se dit à cet été sur le Tour de France. Ouais. Pas de problème. Salut. Salut. Au revoir.